Pour moi, ma progression a été très forte au tout départ. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai pris le train au mois de février. Je me suis retrouvée à côté d'une personne allemande. Et pendant 2h30, on a parlé et c'était en anglais. La mise en pratique de choses font qu'on apprend aussi. Le but, c'est que ça soit le plus naturel possible, le plus spontané. On va faire ça sous forme de conversation. On va faire le bilan de ton marathon d'anglais, ton MDA. L'idée, c'est que bah, tu imagines que tu parles à la petite Suzelle d'il y a 6 mois, ou même d'avant, il y a quelques années. Et si elle écoutait en fait notre échange, elle va se dire « Mais oui, c'est exactement ça qu'il me faut, ça me parle. » Parce que je sais qu'il y a plein d'autres petites Suzelles aujourd'hui qui, quand ils regardent en fait nos vidéos comme ça, tu te dis « Mais oui, ça me parle, c'est vraiment moi. Je me retrouve vraiment dans la personne. » Et donc, c'est fait pour moi. Donc, c'est ça un peu l'enjeu. Et ben déjà pour commencer, qui es-tu, Suzelle? Raconte-nous, pourquoi voulais-tu parler anglais? Je suis Suzelle, j'habite Lyon et en fait je suis professeure de métier et je cherche à me reconvertir. Donc du coup, il me faut un certain niveau d'anglais et je savais depuis des années, j'ai un blocage d'anglais. En fait, j'ai pas eu un apprentissage de l'anglais avec des bons profs, on va dire. La seule qui m'a marquée réellement, c'était une prof d'anglais à l'ancienne où elle nous a appris tous les verbes irréguliers par cœur en 5e et tout ça. Il y avait beaucoup d'écrit mais pas beaucoup d'oral, donc à l'ancienne. L'idée, c'est pas de cracher sur les profs évidemment, mais c'est de comprendre qu'en fait, c'est la pédagogie, c'est la méthode qui te convenait pas. Il y a toujours le fait que quand t'es un ado, et je l'étais, j'étais assez timide pour parler devant tout le monde, et ça le fait pas. Alors que maintenant, je suis dans un métier où je parle devant des gens et il n'y a pas de problème. Tu me demandes de faire un pitch, je te le fais. Donc là, pour la reconversion, bah, je me suis dit, il faut quand même que j'ai un bon niveau d'anglais. De base, parce que je voulais me reconvertir dans une branche qui a des potentiels clients à l'étranger, donc il fallait que je le fasse. Et puis pour les vacances aussi, parce que j'aime voyager et mes futures destinations plaisir, on va dire, c'est des pays anglophones. Mais je suis contente parce que maintenant, je parle anglais... Bon, c'est un anglais basique, hein, je le sais, parce que je manque de vocabulaire. Je vais pas dire que ça me bloque, mais il y a des expressions, il y a du vocabulaire que je n'ai pas et j'essaye de combler. Mais c'est plus dur, une fois qu'on a arrêté. Ah bah oui, c'est ça que tu disais avant, tu dis ça manque, le marathon d'anglais te manque, c'est ça? Ouais. Ça manque. Est-ce que, en fait, ce qui se passe, c'est que on prend une routine sans forcément avoir les routines en plus d'à côté, routine que je n'ai pas. Pour moi, les routines, ça dure 3 semaines et puis ça me fatigue, donc faut que je bouge. Après, c'est que t'as besoin d'avoir un cadre et c'est en ça que le marathon d'anglais t'a aidé, visiblement, d'avoir l'accompagnement qui t'aide à maintenir cette routine. Eh ben, en fait, le fait d'avoir cours le lundi, discussion le vendredi matin, déjà rien que ça, me dire bon allez, Suzelle, tu vas déjà à 2 heures par semaine, c'est bien parce que en plus le vendredi matin, moi j'ai dû instaurer une routine plus ou moins où je prends mon petit déj en même temps. C'était rigolo parce que limite j'avais encore la marque de l'oreiller sur le visage. Pour moi, ma progression a été très forte au tout départ parce que tu sais, j'ai commencé en juillet et j'étais dans la fin de groupe avec Anne. Ils ont été très bienveillants, il n'y a pas de souci sur ça, j'ai appris beaucoup de choses. Anne était très 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 au fait de tout ce qui est mindset. On met tout ce qu'on peut pour vous donner justement cette motivation et puis après chacun s'adapte à son quotidien aussi, mais effectivement ça donne une énergie du coup quoi. Ouais, tu vois, la dernière Bubble Team, on s'est tellement bien entendu qu'on en a fait une après MDA, parce qu'on est plus tard à avoir quitté la MDA. Et donc ça a tellement bien marché que, par exemple, une fois par semaine, on se donne nos rendez-vous, on fait des petits vlogs de vacances entre nous, et on continue les petits challenges. Chouette, ah, c'est bien. Et du coup, pour faire un petit avant-après, comment tu te sentais avant le marathon d'anglais, à l'oral notamment, et comment tu te sens maintenant? Avant le marathon d'anglais, je disais bonjour, et voilà, je disais... Ça très bien. Déjà, on partait d'un bon point. On pouvait que s'améliorer. Maintenant, tu vois, là, j'ai pris le train au mois de février. Je me suis retrouvée à côté d'une personne allemande. Et pendant 2h30, on a parlé et c'était en anglais. Alors, bien sûr, il y a des moments où je cherchais les mots. Bah, Word Reference, c'était pas mal parce que, tu vois, je l'ai découvert avec le marathon d'anglais. L'avantage de cette application, t'écris juste une phrase que t'as besoin. Elle, soit elle est déjà enregistrée ou un mot-clé et il te donne les formulations assez pratiques. Mais attends, moi j'ai envie de revenir quand même sur cet épisode d'emprunt. Donc tu nous dis quand même qu'il y a quoi, il y a un an, ouais. Tu disais juste bonjour, sorry I don't speak English. Et là tu me dis que t'as passé 2 heures à parler anglais avec un Allemand dans le train. Ouais. Même si t'avais pas tous les mots, et c'est normal. On est encore, comme je dis toujours, on cherche pas la perfection, on cherche la progression. Enfin, c'est quand même énorme. Ouais, alors je dis pas que c'était une conversation hyper intellectualisée, hyper philosophique, mais c'était une conversation sur... voilà, c'est de base. J'avais une autre question pour toi. Pourquoi t'as voulu intégrer le marathon d'anglais en
en particulier? Qu'est-ce qui t'a appelé chez nous? Alors, le marathon d'anglais, il offre une particularité que n'avaient pas les autres formations. Pour moi, c'était d'avoir le côté suivi et mindset. C'est vrai que beaucoup de formations autres font les cours de discussion, l'équivalent du bottage de fesses et les fiches. Il n'y a pas de souci, tout ça. Mais le suivi, le mindset, c'est deux choses qui ont joué dans la balance. Ça a permis d'explorer pourquoi on ne va pas vers les autres. Ils nous ont donné des techniques pour pouvoir parler en public, parce que beaucoup de personnes ont peur de parler en public en anglais. Ça a été très intéressant et très important en fait. Et puis j'aime bien le côté pratique en fait du mindset. Et puis quand je suis arrivée, les personnes qui étaient présentes étaient bienveillantes. Ça a continué, on a été bienveillants avec les nouveaux. On est là pour apprendre, mais il n'y avait pas ce fameux examen à la fin qui stresse. Et dis-moi, par rapport à ta reconversion, donc la raison pour laquelle, et les voyages pour laquelle tu voulais parler anglais, t'en es où? Je suis en train de chercher du travail. Je suis en train de chercher dans la généalogie successorale. Donc c'est un métier de niche et il y a une place et 1000 personnes qui postulent, parce que tout le monde veut être généalogiste. Okay. Bon, si quelqu'un nous entend, on lance une offre. Dans certains bureaux, on est amené à travailler avec des personnes à l'étranger, parce que les familles, maintenant, c'est plus... Même si 80% reste en France, mais c'est plus en France exclusivement. Donc les familles éclatent et vont dans différents pays. Et donc le fait de parler avec eux en anglais directement... Okay. Donc là, du coup, tu postules et tu te dis pas non, je parle pas assez anglais donc j'ose pas postuler. T'y vas quoi. Oui, après, j'y vais. Même si là, je sais que j'en ai un où j'ai postulé, il fallait l'italien. Bon, bien sûr, je parle pas un mot d'italien, mais ce n'est pas grave, j'apprendrai rapidement. Voilà, maintenant tu connais la méthode. C'est marrant parce que ça fait 3 vidéos que je fais et à chaque fois vous me parlez de l'italien. Donc va peut-être falloir qu'on fasse un truc. Maintenant, je regarde des vidéos, je dis pas que je comprends tout, mais je comprends une grande partie. J'ai téléchargé des applications de cuisine. Mon téléphone est en anglais, donc je cherche encore certains termes. Mon téléphone est en anglais. Et la cuisine, la recette de cuisine, t'es là, tu fais « Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'il me raconte ?» Puis finalement, c'est des gestes qu'on fait tous les jours. Et voilà, ça... la mise en pratique de choses font qu'on apprend aussi. Merci. Je pense que ça sera le mot de la fin. C'est mettre en pratique exactement. Ne pas rester juste dans l'apprentissage de fiches, de verbes, quoi que ce soit. C'est tu le mets en pratique, du coup, tu le mémorises, quoi. Au début, tu sais pas ce que c'est. Et puis en fait, tu le fais et ça s'enregistre pas. Ouais, il y a ça. Et puis, tu vois, moi, j'avais une peur quand j'ai compris... Je voyais que je comprenais parce que à force on comprend et on sait. Et en fait j'ai des chanteurs que j'aime bien, et puis j'aime bien leurs chansons, mais je ne veux pas les comprendre. J'ai peur de gâcher c'est génial. La sensation en fait des chansons en comprenant, parce que ça se trouve ils racontent que des et que jusque là. On me l'avait jamais fait celle-là, mais c'est tellement smart. Je vois bien. Ok. Bon bah super, écoute, merci beaucoup Suzelle pour avoir donné ton temps pour ce super échange, j'ai adoré papoter avec toi. En deux mots, ça serait quoi le conseil que tu donnerais à une personne qui était comme toi, genre il y a un an, qui n'ose pas, qui a peur, qui manque peut-être de confiance, ça serait quoi le truc? Foncez. Foncez, ok. Quand je dis foncez, c'est allez-y parce que c'est un investissement qui ne paiera pas forcément dans l'immédiat, mais paiera sur le long terme.